Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle chronique. Je suis à côté de Franck Cheval, le luthier bien connu. Et Franck, tu vas passer donc à confession, puisque tu es là pour avouer quelle a été ta ou tes plus grandes galères, tes plus gros fails de luthier. Tu as dû en avoir des histoires. Oui, je connais mieux celles des autres. Ouais. Que de Alors non, on ne dénonce pas les petits voilà. copains, Franck, on a dit. Hein. Alors peut-être mon cerveau a un réflexe. Ouais, moi, j'arrive. Ça s'appelle le déni, ça. Voilà. Mais j'avais quelques histoires et ça ne m'est pas revenu comme c'est ça. C'est curieux, ça, le mécanisme de la mémoire. Bien sûr que j'ai un blocage. Okay. Alors les dernières, puisqu'il y en a en permanence, on pourrait dire. Qu'est-ce que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça. En général, moi, je procède comme ça. Les gens me contactent. Ouais. Là, c'était en l'occurrence par téléphone. Et ils me disent, voilà, je voudrais ci, ça. Et puis, des fois, je suis un peu accaparé par d'autres choses. Ouais. Et je fais peut-être, des fois, 15 jours, 3 semaines après, la fiche D'accord. complète de la guitare que j'envoie à la personne. Ouais. Une checklist, on pourrait dire, pour contrôler ouais. le travail. Pour valider les specs, tout ça. Et s'il n'y a pas de problème ou de choses à remettre en place, un an après, je fabrique la guitare. D'accord. Un an après, ah oui, parce que c'est le délai versus ce que tu as en cours. Voilà, ce qui est à peu près mon délai. Ouais. Quoi. Et donc, j'expédie, la personne était à La Rochelle, j'expédie la guitare. Je vois qu'elle est bien arrivée. Et le gars me téléphone en me disant mais tout va bien mais.